équipe est vraiment gain matériel dans main yo et pour payer bien pour faire travail yo. Luis Abinader précisé jusqu'à moment qu'elle t'a parlé, elle t'a pas interview ça, mais elle fait qu'on est gang yo, gang qui en Haïti yo, oui, yo pas représenté gros problème pour Saint-Domingue, non que ça. Mais si yo gagne des rives l'autre bois, mais ça qu'a parlé à comme capitaine yo et a joindre. Pendant le fait qu'on est mais il y a travail pour sécurité en République dominicaine et il fait connaître tout c'est une raison ça qui pousse au plus capable construire mieux ça qui sous frontière entre Haïti avec Saint-Domingue. Ça le dit Luis Abinader croit jodi à là et nèg ici cap des problèmes surtout chef gang ici yo faut yo si yo gagne des rives Saint-Domingue dit camper parce que yo pas arriver et se river le bois il a posé la patte sur yo en force en cramon. Bambina avec l'autre information avant nous prendre pause dans le journal là, nous apprenons que la gang handicapé victime la piscio qui organisé hier jeudi à là, un marche pacifique dans Port-au-Prince, un objectif pour exiger au gouvernement prendre disposition pour relocaliser après quand la piste est boulée depuis environ 2 mois dans cadre affrontement entre la police et un groupe armé dans Badelma. Pour des stats exiger tout un nouveau secrétaire d'État dans tête secrétaire d'État pour intégration mon handicapé. Il était tout profiter occasion pour dénoncer dirigeant CASIO cap assister mon handicapé chaque 6 mois. Alors ce qu'il y a été compté chaque mois, ça c'est parole handicapé victime la piscio. Mais il y a un ministre de l'Environnement qui apparaît là pour célébrer journée internationale ozone 16 septembre qui a venu là. Dans sa ministère à travers bureau national ozone lancé à Judia, il y a une quinzaine ozone côté a organisé diverses activités dans quinzaine ça parmi eux. 3 journées pour l'ouvrir pour sensibiliser élèves, étudiants, techniciens, institutions qui ont utilisé produits avec appareils réfrigération, qui ont utilisé gaz sous danger gaz ça yo représenté qui produit effet nocif sur l'environnement à cause aux couches ozone. Le ministère prévoit sensibiliser concerner tous sous nouvelles technologies qui existaient dans le domaine nan, qui gèpoué ak un nouveau matériel qui est capable d'utiliser pour empêcher l'environnement dégradé. Ça c'est parole directeur général ministère environnement Astrel Joseph qui était parlé. Moment arrivé pour nous capable décider rencontrer avec la presse pour que yo annoncer là et ouverture classio qui était prévu faite pour 6 septembre qui t'a dû c'est lundi là ça lundi mais et qui est reporté pour 21 septembre mais c'est pour 7 départements qui partent sur ça veut dire le retirer NIP Sud Grand'Anse mais toute question département où l'école là l'ouvre pour yo 21 septembre et les pour Sud NIP à Grand'Anse c'est pour et 4 octobre ça veut dire là et parents yo. Et c'est pas pour gagner un jour devant tout, je peux préparer. Bon, mais pour gagner, ah, tu es metté où l'ouvre l'école en mois de janvier. Oui, vous avez dit parce que vous connaissez l'État vraiment là, pas. Et pas comme si, pas des conditions, comme si, a toujours pas des conditions qui réunissent pour parents en termes de moyens. Préparation, vous comprenez? L'État, et en pile fois là, pas décidé d'accompagner l'État. Bon, il n'y a pas même si vous annoncez ça, même si vous annoncez, vous n'avez pas accompagné les parents, mais il n'y a pas concret vraiment, il n'y a pas jamais arrivé sur le monde qui a nécessité vraiment. Ah oui. Même livre a parlé de subvention ma question oui. Livre. Bon pendant la subvention là c'est vert qui en pile employé dans l'État dans différents ministères dans différents organes de concentrer l'État yo qui a plein là puisque yo pas remonté par descendre parce que bah très difficile pour yo yo encore demandé avec chef gouvernement qui c'est Ariel Henry et question subvention vous comprenez si yo ta bail li avec yo même comme parent comme kakina l'état comme contractuel et employé l'état il t'a fait bien quand même il t'a aidé yo dans préparation entre l'école là et grand pile policier tout qui parle avec même sous ça en pile employé l'état contractuel l'état qui parle ensemble même qui mandé avec avec gouvernement garder quand même dans quel niveau capable subvention petit coulier il y a dégagé quand même pour question entre l'école là bon je souhaite ça mais pour finir avec de ça sévère et femme sincèrement tout chef ici presque pas respecté journaliste vraiment il va invitation à midi et demi non attendez papa il fait invitation à midi et demi pour la presse là moi même fait forme là depuis à midi sec parce qu'on est c'est PM chef pour pas rentrer en retard il a commencé à presque 2 heures même on dit 2 heures même pour qui ça pour sortir ce temps de PM dans diacema qui pas même qui pas même 7 minutes même un conseil des ministres, ça seulement fait une époque de environ 2 à 3 heures presque campé et dans le soleil parce que pas de conditions pour te recevoir. Non. Finalement, c'est chef ici, je vais tout dire, ça me connaît, il faut nous respecter, journalistes.
Oui, il faut respecter le journal parce que le journaliste a dit même si vous faites travail là tout, mais nous-mêmes, tout faut respecter le travail. Oui, si nous faisons effort, nous abonnons. Et pas seulement pour autres, c'est plusieurs. Non, mais vous pas sérieux. Vous pas sérieux. C'est pas la première fois. Dès le dit ça, mais vous pas sérieux. Parce que pas qu'à depuis à midi et demi, midi 7, midi 10 ensemble de monde là, et puis il y a 2 heures, moins ou 2 heures combien, pour pas même 5 minutes. Je fais mon retirer, talent, finalement, mais pour qui ça? Mais non, regardez fois, nous-mêmes, journalistes, qu'on a pensé, nous dit, si nous devons vivre de nous aller, au moins, il y a tiré les soins à faire effort. Non, mais on fait timing. Même une information, non, mais. Nous avons une réunion, nous ne pouvons pas finir à midi. Si on estime que c'est à 1h, on a fini de faire réunion, mais le conseil d'avenir, ça dit, mais mettez-le à 1h, timing, non. C'est une question d'intelligence. Non, pour ça, je suis certain que faut chef ici respecter. Respecter tout le monde, mais respecter les journalistes en travail. Vous comprenez? Ça, je me développe. Ça matin parce que ça m'était vla tirer attention mon nous bon équipe PM non bon équipe PM arranger nous parce que ça les répéter plus fois pas seulement PM non toute autorité dans l'état oui respecter journaliste parce que fond ce travail là mais tout nous gagner et ça rile tout respect que nous devons tout de voilà on va ça avec la déformation civile l'autre dossier dans journal la gain caporal Abdon Mackinson un jeune militaire congédié militaire FADH là qui était payé hier jeudi pour aller prendre soin dans pays États-Unis militaire a été victime d'un accident sur route port de le 26 septembre 2020, on peut partir dans le congénéité accompagné dans le salon diplomatique là, hier, jeudi. Jean-Philippe Massian te présente sur un reportage. 5h55. La cour espace corps diplomatique là, tout vête, avec militaire FADH, quelques gradés dans l'armée, membre cabinet ministre défense là, tout vient souhaiter un bon voyage, si tout bon rétablissement à caporal Abdon Mackinson. Ça presque gagné l'année depuis le victime d'un accident dans port de paix dans le chantier Kafou Jofla. Yon camion asphalte chaviré sous lit produit ça presque allé à un beau visage li défiguré après soin en Haïti qui te mettait sous des pieds ministère défense voye là le continuer dans pays États-Unis pour essayer sauver visage là caporal Abdon. L'accident ça s'est fait le 26 septembre 2020 et pendant que nous avons travaillé pour le développement du pays, nous sommes au port de paix, et nous avons conduit un camion asphalte et nous avons dérivé. C'est accident. Jeune caporal là qui reconnaît tourner dans le normal là qui apparaît difficile, mais espérer la joindre un plus bon soin là-bas. Malgré l'accident, jeune militaire a été fier et il portait message réconfort pour qu'on frère Lio continue à remplir mission comme ça doit. L'accident est vraiment grave, donc à regarder vraiment. Et nous allons espérer que nous sommes normalement, mais quand même, nous espérons que nous avons un soin qui met message que nous avons toujours avec les collègues de mon frère Maro. Nous sommes toujours fiers du travail qu'il a fait là. Continuerons à me payer et travailler au pays. Lieutenant Michel Vladi, songez jour 60, tant que c'était jeudi. En pile montée des cendres, pour essayer de sauver la vie caporal là. En tout cas, ça loin pour décourager yo dans travail yo. Yo déjà attendre tout caporal là souterrain. Et me changer jusqu'à ça, on va faire des marches, imagine du sport de paix pour essayer de faire l'entrée pour prendre donc nous passons nuit à parler en téléphone avec le commandant du génie. Donc son bail était vraiment frappant. Et nous croyons que même dans le développement, l'offre partie de l'armée, ça arrivait que ou blessé. Mais nous là et nous notre côté fait le bon. Caporal Abdon, nous déjà prétendons déjà parce qu'il fait administration. Et nous prétendons que l'offre finit avec soin, que le tourner. Même position pour capitaine Edgar Massena qui était confiant. Caporal l'a retourné sous des pieds militaires pendant le salier dévouement autorité qui était accompagné jeune militaire. Dans moment difficile ça. Nous accompagnons le staff congénial là pour accompagner le soutien, support et dans nos commandants en chef là, nous disons du courage, il n'y a pas besoin de peur. Donc même gens qui ne peuvent pas aller pendant, parce que c'est un camion qui tombe sur lui à toute asphalte, donc c'est pas rien la vie. Donc nous sommes surpris de prendre de nouvelles armes. Tout le monde n'a pas de sentir, pas de espoir. Mais grâce avec le recommandement des forces armées d'Haïti, avec le ministère de la Défense, côté nous avons staff, nous gagnons et Madame Lamotte hein, et l'évêque pour nous accompagner, soldats qui tombaient sur le champ du développement. Entre-temps, FADH, si tout corps génial, continue à travailler dans quatre coins pays. Capitaine Nan Salier courage, reste militaire comme ça, qui toujours été motivé, tout côté à travail, si tout dans grand site là, côté au présent, depuis 15 août là,
un jour après catastrophe là. Actuellement, il y a travail du côté de Grand Sud là et nous aurons avec le même moyen, mais n'a pas frappé parce que ce rôle nous c'est aider la population lorsqu'il y a catastrophe naturelle. Nous ça c'est pas monsieur pas démobiliser, tout toujours gain même force là, même lorsque gain on qui frappé mais n'a continué parce que son sacrifice l'armée égal ça. Jean-Philippe Masséan, Radio Mega. Merci en pile Jean-Philippe Massé. L'autre point d'actualité, la commission qui a cherché solution haïtienne continue à avancer à qui a travaillé. Il y a plusieurs espaces qui disponibles pour le monde passer ici à côté 30 d'outland. Document ça prévoit là un exécutif à deux têtes, même Jean ça prévoit dans constitution 87 là un conseil national transition à monter pour choisir qui est ce qui pourra diriger transition. Magali Komodeni par écarté possibilité pour Joseph Lambert ou bien Ariel Henry t'a intégré processus là comme candidat, mais commission ça pas gain non dans poche yo, c'est CNTA qui a gain pour décider à travers vote là. En côté Magali Komodeni 6 heures. Il y a des partis politiques qui sont avec eux, qui viennent avec des conseillers juridiques, qui viennent avec des conseillers économiques. C'est travail ou ensemble d'entités. Le document prévoit que c'est nécessaire pour que y ait un gouvernement transition avec un président, un premier ministre. Ça, c'est des bagailles qui sont déjà même actées depuis la première session de la conférence citoyenne dans Montana. Il prévoit que transition a mis tête sous régime 87, constitution 87 là. Donc l'accord et la constitution de 87 qui ont servi de cadre à régime de transition. Il prévoit que nous avons un organe qui a monté, qui a créé et qui a choisi président à premier ministre après que différents secteurs voyaient candidature. Ma frontière était sur organe ça, qui est le CNT, Conseil national de transition, qui fait un organe. Alors tout de suite là, ce qui est en cours, c'est que nous avons mis en place bureau de suivi. Ça peut être dans ce notre organe qui prévoit, qui est le bureau de suivi de la mise en œuvre de l'accord et qui a appelé à disparaître une fois que tout organe transition est installé. Et donc, bureau de suivi, ça, une fois que le film constitué, là, écrit à des secteurs qui prévoient dans l'accord là, l'église, droits humains, femmes, organisations, etc. Et secteur ça y a envoyé une ou deux délégués en fonction des secteurs, les socioprofessionnels. Et une fois que candidature validée en fonction de l'ensemble de critères qui établi, yo prend constituer le CNT. Okay. Le CNT ça, c'est lui-même qui a recevoir candidature président, candidature premier ministre et qui prend le fait choix de dirigeants. Okay. Pas des noms déjà comme président, comme premier ministre dans le travail document commission. Et est-ce que tout n'a pas même nous pas ouais tout notre travail commission ça tout un monde comme Joseph Lambert et puis Ariel Henry. Pour commencer, nous travaillons sous mécanisme, nous pas jamais travaillons sous nom. D'ailleurs, c'était peut-être difficulté qui te gagné avec des formations qui eux-mêmes c'est sous nom ils ont travaillé, nous-mêmes n'a travaillé sous mécanisme. Donc pas gain nom en dans travail commission. Et si tu gain nom mécanisme ça qui n'a accord là, c'est pas le premier mécanisme que la commission a été proposé. C'est dans l'Assemblée 17 juillet là, que l'Assemblée a changé et venu avec un autre mécanisme. Parce que nous sommes soumettés à sanction Assemblée. Là. Donc si nous avons non, nous ne pouvons pas avoir des mécanismes dans l'Assemblée pour faire ça là avec. Non. Et nous clair sur ça. Maintenant, nous avons rencontré avec des sénateurs. Ils ont par exemple demandé que bon présent du tiers Sénat en dans PNT. Tiers Sénat, malgré lui dans des partis politiques sénateurs, dans des partis politiques qui n'ont pas partis politiques qui peuvent le voyer. Délégué, nous mettons deux représentants du tiers du Sénat. Mais il faut qu'on ait son arbitre, son consensus, n'a pas cherché. Okay. Chaque stade là, il pose des problèmes à de l'autre formation. Quand consensus, ça nous pas écarté possibilité, nous Ariel et Lambert. Nous pas écarté personne, c'est sous moyen. Parce que nous pas écarté personne, son mécanisme. Coordonnatrice commission qui a cherché solution haïtienne Magali Komodeni critiquer déclaration porte-voix secteur démocratique là qui minimise yo à cause pas de jam kon pour la rien mobilisation c'est ministre qui a rappelé membre commission était toujours sous béton hein. Magali Komodeni fait connaître secteur démocratique là c'est une institution rencontré plus fois et c'est commission qui toujours nous déplacer à joindre dans local yo sauf dans dernier rendez-vous SDP à Tibayo la veille activité Montana était pas être impossible pour te déplacer pour aller rendez-vous si là alors
que SDP t'a refusé yo même déplacé pour al côté yo en côté Magali comme Denis toujours dans micro Blaise Peterson. Est-ce que nous capable parler comme ça bon qui t'en bac à ban pas quoi dans PC mettre parole politique là de l'autre côté comment c'est monsieur Michel pas capable décider de qui est secteur démocratique là et pas quoi que bien personne qui a décidé qui est-ce qui doit prendre responsabilité vis-à-vis de ce pays, qui est-ce qui doit prendre responsabilité. Mais pas contre qui est-ce non plus, c'est à parler au dicté en bacabane. Parce que moi-même, moi fais plusieurs manifestations, je ne suis pas ouais. Et vous avez leader, je ne suis pas trouvé dans la rue. Il y a eu une, deux, ils font paraître, font chaud, même fait plusieurs manifestations. Mm-hmm. Plusieurs. Je m'a rappelé. Organisation qui délégue maintenant. Durant les 4 ans, collectif artiste engagé, c'est le baptisé Kapou Résistance. Moi, c'est membre fondateur, 4 ans. Donc, Magali Georges, c'est dirigeant syndical. Kosanko, qui a fait de monde qui est en bas à bon ça. Ensuite, bon, c'est cette histoire de dire que c'est non, tabouanier militant, c'est non. Non, nous pas qu'à faire de douleur, moun yo, de la répression que moun yo subit. Son capital politique. Monter en compte et secteur, hein, puisque. Parce que j'ai un pile monde. Nous rencontrons, c'est le secteur que nous rencontrons. Oui, parce que je parle de 29 ans, il y a des gens qui ont avec nous, nous te boudel. C'est le secteur que nous rencontrons plus. Et sous 7 fois que nous rencontrons, 6 fois c'est nous-mêmes qui déplacons. Alnan bureau, Alnan bureau et Dieupod, Alnan bureau Dieupod côté Yoye, dans Mon Calvaire là, Alnan bureau par SDP, au moins 3 fois, 2 ou 3 fois côté Yoye, il y a un nouveau local, Yoannan Delma, nous rencontrons. Le dernier rendez-vous, c'est pas boudé. Nous pas jamais boudé. Chaque, au contraire, chaque le nous avons rendez-vous, c'est content, nous content. Opportunité pour nous aller discuter pour cette question. Ça t'arrive dans le jour, ça vient. Le jour, ça. Demande de rendez-vous en venir par WhatsApp à 3h moins le quart du matin. Vous entendez-moi? 2h45 que vous voyez sous WhatsApp, vous même commission demande de rendez-vous. Le ça, pour dimanche, nous avons préparé Montana. Nous avons déjà des équipes monde qui viennent depuis dimanche qui viennent signer. Et mise en forme, fait. Nous déborder, nous pas gagner, pas oublier qu'on a travaillé sans ressources. Donc ça veut dire, pendant qu'on a conceptualisé, qu'on a pensé, qu'on a écrit, c'est nous qui avons tapé, c'est nous qui avons fait photocopie, c'est nous qui avons classé, c'est nous qui avons corrigé, etc., etc. Donc nous t'avons supplié, dire, déplacer, c'est autant tout travail urgent qu'on a fait, qui ban un petit problème. Vu que c'est eux-mêmes. À 2h45, 3h moins 4 du matin, qu'il fait demande là, c'est pas parce que c'est eux qui font l'habitude de déplacer dans la caille tout le temps, dans le caille et sénateur Sorel Jacinthe, dans le caille tout le monde. Là, si vous pas déplacer, nous n'avons pas de problème. Nous avons venu. Mais juste ça, il était problématique. Et nous demandons autant de prix. Nous avons réservé une salle côté de l'IA. Le salon était dans la Villa Thérèse. Et nous rencontrons sur place. Parce qu'il y a des problèmes qui ont géré sur place. Chaque commissaire était déjà gagné de l'autre activité qui a fait. Et nous étions très peu de commissaires qui étaient dans le local là, qui étaient disponibles. Nous n'avons pas quitté le local là. Nous disons autant de prix. Est-ce que nous avons venu rejoindre nous? Côté bien, n'a pas un côté spécial, n'a pas chita parler. D'accord. Mais... Et puis, on dit non, ils sont occupés, ils sont pas capables. Mm-hmm. 6h05. Nous avons toujours été avec Magali Komodeni là, c'est le préparé concernant l'incident qui était arrivé lundi passé, coordonnatrice commission a minimisé l'incident qui était passé dans l'hôtel Montana, 30 d'août passé, incident by plus booster dans Akoa. D'après Magali Komodeni qui fait qu'on ait plus monde qui vient signer après date ça, ancien ministre justice dans Akoa, c'est dommage pour un 21e siècle, ça, il y a monde qui choisit violence comme instrument politique. En tout côté, Magali Komodeni pour une dernière fois dans le micro. Radio Méga. Ça qui passe, d'abord, il y a eu un temps, bon, heure de temps de travail qui était fait. Après, heure de temps, ça, il y a campé, il y a allé. C'était à peu près 6 ou 7 mois. Il y a campé, il y a allé. Et puis, nous reprenons une séance après. Nous faisons conférence de presse après. Et nous pas de quoi manger. Donc, reste assemblé en l'été pour nous manger ensemble. Et nous recueillons à peu près 80 signatures après. Mm-hmm. Après, des autres là. Donc ça, c'est pas de, au contraire, bon côté que le trouble, ça a vu une baille, d'Akadi, encore en forme de booster, en population, hein? Parce que il y a des mondes, il y a quelques mondes qui étaient différents, parce que vous pas habitué, faut ébouchonner, question pays, et bien, bagaille ça, fait que vous ouvrez yeux, et puis vous dites, oh, et bien, si ça a passé, les gars, les bon pour nous, les gars, c'est pas nous liés. Donc ça vient créer une dynamique tout le monde, et
signature que la recevoir dans le point côté. Bon, nous interprétons que plus que jamais, il faut que nous bataillons pour pays en régénérer et puis pour une série de monde sortir dans la précarité que nous y a pour ne pas obligé de faire des bagailles comme ça. Payer pour des bagailles comme ça, c'est pas ça militantisme politique là. Nous souhaitons vraiment que la situation économique pays a changé, que nous commençons à jouer un travail, que ce n'est pas mon travail ça, que nous continuons à faire. Parce que ça, c'est pas militantisme politique lié. C'est pas ça lié. Et ne pas penser que ça correspond à gens haïtiens exprimés normalement. Ou ensemble de plus de 100 monde, 4, 5 000 venus font un travail comme ça. Certainement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Là, nous avons parlé de recherche de consensus. Nous ne pas déjà me dire unanimité. Consensus, pas unanimité. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais nous pensons que c'est qu'il y a des gens qui ne pas d'accord qui présent. Parce que c'est ça l'a fait depuis 6 mois. Okay. Nous rencontrons monde, toute tendance politique confondue. Il y a des monde que nous rencontrons plus que d'autres, dans le SDP. Mais nous rencontrons tout le monde. Net. Donc, nous n'avons pas pensé que l'espace ça, il y a ça là-dedans. Okay. Nous pensons qu'il y a une discussion, mais à l'échelle, aux l'échelle, des bagages à eux, nous souhaitons vraiment essayer dans cette salle de bataille que, forme, que la violence passe partie d'un mode d'expression politique. Mais aujourd'hui, on a parlé de questions politiques. Nous avons compris le sentiment, tu as une situation que ça t'a développé? Bon, nous avons des informations et bon, et que t'es bon, que des réunions que tu as fait, que des bails qui t'ont préparé, ou même que des bails qui t'ont dit sur les réseaux sociaux, etc. Mais évidemment, ce n'est pas ça lié pour nous. Et nous avons des balles plus importantes que le gain. Blaise ou Renoir, nous avons 3000 mounes, 2 mounes, Péton Goumel, les bronchettes pour le gaz des balles. Donc, il y a un seul monde qui a un droit en désaccord avec ce qui a passé. 6h10. Toujours sous même dossier, ça gagne secrétaire général parti politique Union qui lance un appel par différents structures de classe politique à la société civile qui a couché une proposition pour mettre tête ensemble une façon pour tomber d'accord sur une seule proposition pour que nous avons mis en tête que gagne différents secteurs ça a divisé pays à plus candidat pour dernière élection présidentielle le deal pour une transition qui a duré pour plus une année et demie. Côté Afghan organisation et élection et pour capable renouveler personnel politique là côté déclaration client que nous qui bon nous y est, nous gain proposition par nous ou bien qui a quoi nous t'essayer si nous t'essayer.
Déclaration Clarence Renoir sous situation politique là dernier temps c'est yo collectif avocat cap défendre moun yo fait connait sac passé Montana 30 d'août là voyons vieillissial ba international là bataille ça aussi craché sous cadavre militaire qui tombé dans mouvement protestation yo s'il a occupé 10 pieds perdu point yo qui en prison qui même perdu d'avio met Arnel Rémy croit mouvement pas propice pour que bataille politique dans sens ça li encourager tout secteur pour mettre intérêt personnel sous côté pour joindre une solution durable pour pays. En écoutant M. Arnel Rémy, dans mes collaborateurs, nous Alix Gauthier. Ça qui passe Montana, il quitte un mauvais signal. Il lance un mauvais signal bas international. Et nous c'est objet de la ridiculisation de la part de plusieurs personnes. Monsieur actuellement là, il a kidnappé deux monde. Il a demandé $1 million comme rançon. Il a demandé là $1,500,000 comme rançon. Même si chauffeur a fait 100 ans en ville à travail, mais il a touché 25 000 routes, il a jamais caché comme ça. Et ceci l'autre monde tout. Tout l'autre monde qui a kidnappé par un nom. Moi je pense que là nous venons dans une situation de bataille pour pouvoir, c'est le n'a bataille pour voir comme ça, c'est moun qui victime une cracher sous figu. Moun qui t'a la manifestation cracher sur nous, c'est pas rien. Moun qui perd du pied, perd du jet, perd du bras, prend gaz, qui mouille en bas la police, qui mouille militant champ de martiaux. Militant qui victime qui prend banane la police sous champ de martiaux. Le nous arrivons comme ça, n'a bataille pour un accord, signation encore, c'est sous moun son crache. Moi, je pense, monsieur, que le n'est pas la bataille politique. Il est venu un moment de poser les vrais problèmes du pays. Il faut faire ce qu'on appelle un dépassement de soi, une transcendance. Parce que blanc, a pensé pour 2050-2100, nous-mêmes n'a pensé pour 2022, n'a vu qui est, n'a bon Diri, qui n'a bon BM, qui n'a bon on Land Cruiser, on Range Rover, on Wrangler. C'est pour ça n'a pensé. N'a toujours dans même sanier là. Si par exemple des acteurs politiques qui émergent, m'a prôné on l'autre vision, on l'autre politique, on l'autre jeunesse qui ont politique de développement durable, c'est sans besoin. Nous pas qu'en 2021 pour nous au niveau au tribunal fermé, c'est inacceptable. Haïti devient un enfer, il faut changer les conditions de ce pays parce que peuple haïtien bouqué depuis 86 à Kounia, c'est les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur prend conscience que moment pas venu pour une bataille dans politique, c'est pour nous poser problème pays. Pays ben nous pas bon, revenu per capita nous pas bon, indice de développement humain nous pas bon. Espérance de vie en Haïti on a ses 50 ans, stress tellement tout mourir avant ça. Il faut changer de politique pour le pays parce que le peuple haïtien veut respirer un nouvel air. 6h15. De l'autre côté, M. Arnel Rémy a annoncé ordonnance sous dossier Abelson Gonéglab sorti semaine qu'a venu la sur révélation devant un tribunal la première instance Port-au-Prince. Cependant, M. Arnel Rémy souhaitait au dossier libération prisonnier politique sous table discussion pour accord politique, mais faut que ça fête selon procédure judiciaire. Nous à côté l'autre fois Arnel Rémy toujours dans micro Alex Gauthier. Le dossier d'Abelson Gouneg, l'ordonnance sera rendue la semaine prochaine. C'est ça doit rien dire. Nous-mêmes, nous par contre qui ça doit rien pour dire, bon qui ordonnance, les cas ont ordonnance que vous l'accès, les cas ont ordonnance que vous n'êtes pas compétent. Bon, ça c'est doit rien. Mais grand débat en dans société là qui débat lié. Grand pile acteur qui a signé accord politique, après nous-mêmes le Nalambay ça on nous demandé libération prisonnier politique comme une point que t'as supposé faire partie de feuille de route. J'aime toujours dire, seule façon pour un prisonnier politique là qui la connaît son accord politique. C'est monde qui va le président, monde qui va Premier ministre et organe de transition ou bien OCT, organe de contrôle supposé bail comme point une feuille de route qui peut avoir une libération prisonnier. Mais libération prisonnier politique, faut le faire en jeu pour pas créer représailles. Parce que nous ne pouvons pas demander de libération prisonnier politique pendant que les procédures, les garanties judiciaires ne sont pas respectées. L'homme vient faire tout le monde qui est en prison, son état pas levé comme on va demander de tout le monde. En pour exemple, le dossier d'Anel Belizère qui est objet d'un pouvoir en cassation. Seul un président peut nommer un juge de la Cour de cassation. Pour ça, il n'y a pas de président de la Cour de cassation pour statuer sur le dossier d'Arnel Belizère. Ça, c'est une méchanceté. Mais quand il y a acteur, Abelson Gouneg, qui ligue Arnel Belizère, acteur, président qui va venir, culte XY, de chita puis entendre puis dire. Donc faisons de la libération des prisonniers politiques notre priorité. Nous-mêmes, comme avocats, c'est ça de demander. Pendant que je travaille pour Abelson Gouneg, les procédures se font. Mais écoutez, vu l'instabilité politique, je suis obligé de demander aux acteurs de prendre leurs responsabilités également. Ou pas qu'à Zim, ou pour venir avec un nouvel et un nouveau souffle. Sans qu'on pas penser à mon qui est en prison. Ou pas qu'à dire, ou pas le venir avec et pas l'essayer à ces niveaux de revendication peuple là, sans pas mettre en question la libération des prisonniers politiques. C'est très important pour nous.
Collectif avocat qui a défendu à Mounio menacé déposer en plainte dans l'inspection générale contre directeur général à la police, tant qui c'est Léon Charles, si on va décider de faire bac sous publication photo Mounio arrêté, coordonnateur cadeau à qui dit bien, c'est maître Arnel Rémy, croyait pratique ça a un gros impact sur les citoyens, quand on va jamais qu'à réintégrer dans la société, hein, malgré innocence. Un côté pour maître Arnel Rémy, souhaiter la police à protéger l'image Mounsayo. Un côté pour y en une fois met Arnel Rémy. On connaît gien moun jusqu'à présent pas cachon travail parce que y a arrêté yo, yo pas nan rien. On connaît gon professeur arrêté pour la pache non fritay devant la cali arrêté. La police dit bandilier nan gang Katsuma Ozo. Le juge de paix le commissaire regarde commissaire dit pas nan rien. Maintenant jusqu'à présent pas ca travail parce que yo té wel sur télévision, yo té wel dans la police, yo té wel dans photo dit c'est bandilier. Et en dans la police en gon section que les droits humains. La présomption d'innocence est une garantie judiciaire, c'est un droit fondamental. Et Léon Charles, si Léon Charles persistait à pratiquer ça, nous-mêmes comme avocat dans le cadeau, nous allons déposer une plainte dans l'IGPNH pour le directeur général là pour atteindre à la liberté individuelle. Ça. Et il faut comprendre que il y a pile monde qui est victime, il y a pile monde qui part à marcher dans la société. À filio, à de gangs comme ça, pendant que nous rien, si vous tuez socialement, vous retirez sous scène. Et vous ne pouvez jamais rien dans la vie encore. Tandis que dans l'autre pays, même terroriste là, oui, le arrêté terroriste là, français a mode li brouiller image là pour figi moun nan pa paret. Yo respecter garantie judiciaire ça. Pour que ça nous-mêmes nous pas faire le même genre tout en Haïti. C'est parce que nous pas respecter la loi, nous pas respecter garantie judiciaire. Objectif moun c'est détruire moun, c'est finir moun pour montrer à notre patron qu'on est en train de travailler. Et le collectif des avocats s'insurge contre ces pratiques parce que li inacceptable, li inadmissible qu'en plein 21e siècle pour que les valeurs humaines soient bafouées, soient violées à tout champ. Ça fait n'a dit Léon Charles, faut qu'il passe l'autre formel à l'autre policier, l'autre gauche chef qui travaille de la police, hein, pour que le arrêtons mon cougnat avant que yo publié pour yo faire en sorte que yo brouiller image dans pour pas détruire mon nan socialement parce que le fait ça ou pousser mon à tuer tête même qu'on ait qui tuer tête pour ça. Voilà, ça c'est déclaration maître Arnel Rémy qui c'est un responsable collectif avocat qui a défendu droit Mounio côté il se parlait sur divers sujets concernant bien la police qui prend plaisir dans rendre public image un ensemble de monde qui arrêté et maître Arnel Rémy qui parlait des présomptions d'innocence tout autant que la justice poko les mêmes placés mopal pour dire monde ça soit condamné ou bien le coupable mais il y a pas gain droit à rendre public image monde ça qui fait moun ça aujourd'hui à là après film publié image monde ça comme si les monde mettait hors de société à là il y a pas gain valeur d'importance devant j'ai l'autre monde. Nous avons retourné sur le dossier ça. L'un de nous retourné sur lui, c'est concernant question nèg armé qui prend pays là dans différentes zones qui a terrorisé population hein? Et n'importe Port-au-Prince même avec diverses villes là de province et situation ça qui a développé situation sécuritaire qui a développé et sous bouté papa des salines non eh bien li est pas sans conséquence li pas sans conséquence la et sous question sous la caille voisin puisque ont trouvé que situation sécurité qui gagne ici nèg armé qui gagne gros âme dans mais yo mais il présenté là un gros danger pour la caille voisin pour dire bien c'est le même mais face avec situation ça gagne président dominicain Luis Abinader qui déconseille tout chef gang haïtien qui t'a gagne l'idée rentrer en République dominicaine. Si vous avez une idée, mais Luis Abinader dit attention, attention, parce que nous-mêmes, là, quand nous pas même avec Negisit qui a pris les affaires par eux-mêmes, qui pas jamais posé des de vraies actions, mais bam, dis-nous, qui ça, moi-même, comme président et Dominicani, mais ça n'a pas comme décision pour empêcher qu'il y ait une gang armée ou bien une gauche afghanistien rentrer la caillou. Eh bien, Luis Abinader dit, nous connaissons que eh bien on ensemble chef gang dans pays d'Haïti qui a des problèmes et nous même dans République dominicaine nous renseigner nous ensemble d'informations claires sur chaque chef gang ça yo nous connaissons bien qui a sué une information sur yo c'est ça Luis Abinader lui-même a déclaré dans interview liba dans émission matinale qui diffusée sur Télé Micro Canal 5 que journal Listen Diario lui-même n'est rapporté. Président dominicain Luis Abinader li lancé jeudi qui donc hier jeudi a une mise en garde une pinga ba tout bandi armé qui en Haïti bandi armé haïtien yo qui tape
qui t'a gagné l'idée tenter pour capable arriver mais traverser en Dominicanie. Luis Abinadel li averti yo, li averti tout bandi en misao, ou te iso, ou te barbecue, ou te lamo sanjo, ou te tilapli, ou te krisla, ou te iska saouya, mais tout dit yo, eh bien nous même en plus Dominicanie n'a pas toute disposition et rapidement depuis yo rentré, y a identifié yo et l'état dominicain a disposé un ensemble information et déjà un ensemble information qui disponible sur yo et pour que capable gain contrôle monsieur Sayo. Luis Abinadel rap aussi pour dire que toujours que et raison ça encore qui pousser que yo même en République dominicaine yo prend un ensemble de décisions qui ça pas comme des décisions là. Il dit moi recommander pour que bandi sa yo pas rentrer en République dominicaine. L'armée et la police yo déjà mobilisé à travailler ensemble. C'est ça Luis Abinadel lui-même li rap aussi pour le dire pour n'importe bandi ta rentre l'autre bois pour gen contrôler pour que li marel ta kokrab. Li ajouté pour le dire lui-même comme président la Dominicanie avec tout 13 gouvernement pouvoir là, il a continué de travailler pour investir gros l'argent, n'en permettre que sécurité à dans niveau pays Saint-Domingue, ben li de taille, li de force et la police tout y a renforcé un ensemble de travail dans la police là pour la police à mieux former, mieux